Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette audience générale en direct depuis Rome. Nous voilà à nouveau dans la bibliothèque du Palais Apostolique où sont en train d'être lus les versets introductifs. La pace sia con voi. Voilà, et le Saint-Père vient de donner sa bénédiction. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Il s'agit donc aujourd'hui d'une catéchèse sur le Triduum Pascal. Nous sommes, je vous le rappelle, en pleine Semaine Sainte. Et c'est un extrait du livre du prophète Isaïe qui introduit cette catéchèse. Un extrait du quatrième chant du serviteur souffrant. Davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Parola di Dio. Lecture du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Isaiah. Behold, my servant shall prosper, he shall be exalted and lifted up, and shall be very high. Voilà, et tandis que l'extrait du livre du prophète Isaïe est en train d'être lu dans d'autres langues, j'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Merci à tous de nous avoir rejoints via notre chaîne YouTube, notre page Facebook Vatican News en français. Je salue tous les auditeurs de Radio Salve Regina en République centrafricaine, de Radio Notre-Dame en France, de WNTV, de Radio Espérance, de Celle et Lumière Télévision. Ceux qui nous écoutent aussi depuis Kinshasa via Radio et Télécatholique Elikia ou Radio Maria en République démocratique du Congo aussi, les auditeurs et auditrices d'Ecclesia Télé en Côte d'Ivoire, de Sancta Maria Network au Liban et ceux enfin qui nous ont rejoints depuis le Canada via Voix du Seigneur Média Catholique. Merci à tous. Vous allez donc bientôt entendre la catéchèse du Saint-Père pour cette audience générale du mercredi 31 mars qui portera sur le Triduum Pascal. Nous allons reparcourir pas à pas, jour après jour, les différentes étapes qui ont conduit Jésus vers la croix puis vers la résurrection. Das erfahren Sie jetzt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito. Será colocado en alto y será exaltado en gran manera. Así como muchos quedaron estupefactos porque su aspecto no era el de un hombre, ni su apariencia la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán algo jamás contado y comprenderán algo nunca oído. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau.
Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Palavra do Senhor. Donc, comme je vous le disais, cet extrait du livre du prophète Isaïe est l'un des chants du serviteur souffrant, un extrait du quatrième chant. C'est un ensemble de passages du livre d'Isaïe lu au cours de la Semaine Sainte, entre le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi saint. Il parle, il évoque un serviteur, alors on ne sait pas très bien de qui il s'agit, un serviteur appelé par Dieu à apporter la lumière aux nations, qui est l'objet du mépris des hommes. Dans les trois premiers chants, ce serviteur est décrit non pas comme quelqu'un de puissant, mais une personne humble qui se confie en Dieu, qui a été choisie par lui, et qui met toute sa force et son appui sa force en Dieu. Et c'est cet unique appui qui permet au serviteur d'espérer contre toute espérance et de persévérer malgré la souffrance. Les chrétiens, évidemment, lisent dans ces différents chants une préfiguration de la passion du Christ. Alors on a longtemps à chercher à savoir qui est ce serviteur souffrant, un prêtre de retour d'exil, une figure du peuple d'Israël peut-être. En tout cas, le portrait est dessiné ici par Isaïe, frappe, parce que Jésus, mieux que quiconque, incarne cette figure inhabituelle. Et maintenant, la catéchèse du pape François. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Già immersi nel. Chers frères et sœurs, bonjour. Déjà plongés dans le climat spirituel de la Semaine Sainte, nous sommes à la veille du Triduum Pascal. A domenica. Vivremo i giorni centrali. De demain à dimanche, nous vivrons les jours centraux de l'année liturgique en célébrant le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ces mystères, nous les vivons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rappelle le pape. À farlo di nuovo questo mistero, mistero pasquale. Nous renouvelons. C'est important de non dimenticarlo. Nous faisons. È come se noi andassimo al calvario. Nous renouvelons vraiment ces mystères. C'est comme si nous allions au calvaire. C'est la même chose. Per fare di renouveler. Il mistero pasquale. Pour vivre de nouveau, pour le faire de nouveau, ce mystère pascal. Entrando nel Triduo Pasquale, rivivremo la messa che si dice. Le soir du Jeudi Saint, en entrant dans le Triduum Pascal, nous revivrons pendant la messe in cena Domini, ce qui eut lieu au cours de la dernière scène. C'est très beau ce moment. C'est le soir où Jésus a laissé à ses disciples le testament de son amour dans l'Eucharistie. Mais comme mémorial. Come sua presenza non pas comme souvenir, mais comme mémorial, comme sa présence éternelle. À chaque fois que l'on vit l'Eucharistie, comme je le disais au début, on refait, on renouvelle. Dans ce sacrement, Jésus a remplacé la victime sacrificielle, l'agneau pascal, par lui-même. Da la schiavitù del peccato della morte. Son corps et son sang nous donnent le salut de l'esclavage du péché et de la mort.
le salut de l'esclavage du péché et de la mort. C'est le soir où il nous demande de nous aimer en nous faisant serviteurs les uns des autres, comme il l'avait fait en lavant les pieds des disciples. Un geste qui anticipe l'oblation sanglante sur la croix, qui a été une oblation de service. Un geste qui est le maestro. Il Signore morirà il giorno dopo per rendere. Le maître et Seigneur mourra le jour suivant pour rendre pur non les pieds, mais les cœurs et toute la vie de ses disciples. Le vendredi saint est un jour de pénitence, de jeûne et de prière. À travers les textes de l'Écriture sainte et les prières liturgiques, nous serons comme rassemblés sur le calvaire pour commémorer la passion et la mort rédemptrice de Jésus-Christ. Dans l'intensité du rite de l'action liturgique, le crucifix nous sera présenté pour l'adorer. En adorant la croix, nous revivrons le chemin de l'agneau innocent, immolé pour notre salut. Nous porterons dans notre esprit et dans notre cœur les souffrances des malades, des pauvres, des exclus de ce monde. Nous rappellerons les agneaux immolés, victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements. Devant l'image du Dieu crucifié, nous porterons dans la prière les nombreux, trop nombreux crucifiés d'aujourd'hui, qui de lui uniquement peuvent recevoir le réconfort et le sens de leur souffrance. Non dimenticare i crocifissi di oggi, che sono l'immagine del crocifisso Gesù. N'oublions pas les crucifiés d'aujourd'hui, qui sont l'image du crucifié Jésus. Da quando Gesù ha preso su di sé le piaghe dell'umanità e la stessa morte, l'amore di Dio ha irrigato. Depuis que Jésus a pris sur lui les plaies de l'humanité et la mort elle-même, l'amour de Dieu a irrigué nos déserts, a illuminé nos ténèbres. Facciamo una raccolta di tutte le guerre che in questo momento stanno facendo. De tutti i bambini che muoiono di fame, i bambini che non hanno educazione. Rappelons-nous de toutes les guerres qui ont lieu en ce moment, de tous ces enfants qui souffrent, qui n'ont pas d'éducation. Tanta gente che per sentirsi un po' meglio hanno bisogno della droga, dell'industria della droga. Tant de personnes qui, pour se sentir mieux, ont besoin de la drogue ou bien se suicident. Sono piccole isole del popolo di Dio, sia cristiano o sia di qualsiasi altra fede, che conservano il cuore e la voglia di essere migliori. Ma diciamoci la realtà. Il y a des gens du peuple chrétien qui conservent dans leur cœur le désir d'être meilleurs. E Gesù che soffre nei suoi discepoli. Mais Jésus continue de souffrir avec ses disciples. Au cours de son ministère, le Fils de Dieu avait donné la vie à pleine main, en guérissant, en pardonnant, en ressuscitant. À présent, à l'heure du sacrifice suprême sur la croix, il mène à son accomplissement l'œuvre qui lui a été confiée par le Père. Il entre vraiment dans la souffrance pour la racheter et la transformer. Et aussi pour libérer chacun de nous du pouvoir des ténèbres, de la puissance, de la résistance à être aimé, car nous sommes aimés de Dieu.
Et questo solo l'amore di Dio può farlo. Et cela, seul l'amour de Dieu peut le faire. Nous avons été guéris par ses plaies, comme nous le dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Par sa mort, nous avons tous été régénérés. Grâce à lui, abandonné sur la croix, personne n'est plus jamais seul dans l'obscurité de la mort. Jamais. Il faut seulement ouvrir son cœur et se laisser regarder. Le samedi saint est appelé le jour du silence, un grand silence. Un silence vécu dans les pleurs et dans l'égarement par les premiers disciples, bouleversé par la mort ignominieuse de Jésus. Alors que le Verbe se tait, alors que la vie est dans le sépulcre, ceux qui avaient espéré en lui sont mis à dure épreuve. Ils se sentent orphelins, peut-être aussi orphelins de Dieu. Ce samedi est également le jour de Marie. Elle aussi le vit dans les pleurs, mais son cœur est plein de foi, plein d'espérance, plein d'amour. La mère avait suivi son fils tout au long de la voie douloureuse, et elle était restée au pied de la croix, l'âme transpercée. Mais quand tout semble fini, elle veille. Elle veille dans l'attente, en conservant l'espérance dans la promesse de Dieu qui ressuscite les morts. Ainsi, à l'heure la plus sombre du monde, elle est devenue mère des croyants, mère de l'Église et signe d'espérance. Son témoignage et son intercession nous soutiennent quand le poids de la croix devient trop lourd pour nous. Nelle tenebre del sabato santo irromperanno la gioia. Dans les ténèbres du samedi saint feront irruption la joie et la lumière. In tarda serata, avec les rites de la veillée pascale et le chant de fête de l'Alléluia. L'incontro nella fede con Cristo risorto e la gioia pasquale si prolungherà. Ce sera la rencontre dans la foi avec le Christ ressuscité, et la joie pascale se prolongera tout au long des 50 jours qui suivront. Celui qui avait été crucifié est ressuscité. Toutes les questions et les incertitudes, les hésitations et les peurs ont fui devant cette révélation. Le ressuscité nous donne la certitude que le bien triomphe toujours sur le mal. Que la vie vainc toujours la mort, et que notre destin n'est pas de descendre toujours plus bas, de tristesse en tristesse, mais de nous élever. Le ressuscité est la confirmation que Jésus a raison en tout, en nous promettant la vie au-delà de la mort et le pardon au-delà des péchés. La prima a credere e a vedere è stata Maria Maddalena. Les disciples doutaient, ne croyaient pas, mais la première à croire a été Marie Madeleine. Jésus l'avait vue, l'avait appelée par son nom. Ma io vorrei soffermarmi su questo. Et je voudrais m'arrêter sur cela. Les gardes, les soldats qui sont devant le sépulcre pour ne pas laisser des disciples venir et prendre le corps, ils l'ont vu vivant et ressuscité. Et puis hanno fatto finta di non averlo visto. Perché? Et ensuite, ils ont fait semblant de ne pas l'avoir vu. Quel mistero, qui è il vero mistero di quello che Gesù. Ça, c'est le vrai mystère.
Ci sono due signori nel mondo, due. Non di più, due. Dio e il denaro. Il y a deux maîtres dans le monde. Deux. Dieu et l'argent. Et qui est le denaro? Oui, parce que ces soldats ont été achetés. La realtà. Et cet argent a fait changer la réalité. Ils ont vu la merveille de la résurrection, mais ils ont été soudoyés pour se taire. Tante volte che uomini e donne cristiani sono stati pagati per non riconoscere nella pratica la risurrezione di Cristo. Combien de fois des hommes et des femmes ont été achetés pour ne pas reconnaître la réalité de la résurrection du Christ. Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno vivremo le celebrazioni pasquali. Chers frères et sœurs, cette année aussi nous vivrons les célébrations pascales dans le contexte de la pandémie. Specialmente quanto a patirle. Dans de nombreuses situations de souffrance, en particulier quand ceux qui les endurent sont les personnes, les familles et les populations déjà éprouvées par la pauvreté, des catastrophes ou des conflits, la croix du Christ est comme un phare qui indique le port au navire encore au large, dans la mer en tempête. La croix du Christ est le signe de l'espérance qui ne déçoit pas. Nemmeno un gemito. Vanno perduti nel Elle nous dit que pas même une larme, pas même une plainte ne sont perdues dans le dessein de salut de Dieu. Di riconoscere questo Signore e non lasciarci pagare per dimenticarlo. Sachons reconnaître ce Seigneur et ne nous laissons pas payer pour l'oublier. Voilà, c'est la fin de la catéchèse du pape François. Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, vous présentent leurs vœux pour la fête de Pâques et désormais toute proche. Ils vous présentent leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous nous préparons à vivre les journées qui sont au cœur de l'année liturgique. La messe in cena Domini, jeudi soir, nous fera revivre le dernier repas de Jésus dans lequel il instituait l'Eucharistie, non pas comme un souvenir, mais comme un mémorial perpétuel de son amour. Anticipant son offrande sur la croix, il nous demande, lavant les pieds de ses disciples, de nous faire les serviteurs des autres. Vendredi sera un jour de jeûne et de pénitence. Nous commémorerons la passion et la mort rédemptrice de Jésus. En adorant la croix, nous revivrons le chemin du calvaire et porterons dans le cœur les souffrances des malades, des pauvres, des rejetés de ce monde. Nous rappellerons les victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements. Samedi sera le jour du silence, vécu dans les larmes et le désarroi des premiers disciples. Ce jour est aussi celui de Marie. Elle aussi pleure, mais son cœur est rempli d'espérance et d'amour. Alors que tout semble fini, elle veille, confiante en la promesse de Dieu qui ressuscite les morts. C'est ainsi qu'à l'heure la plus sombre de l'histoire, elle est devenue la mère de l'Église, la mère de l'espérance. Enfin, la joie fera irruption au cours de la nuit pascale. Jésus ressuscité nous donne la certitude que le bien triomphera toujours sur le mal. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. La croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi nella tempesta. Questa Pasqua sia per voi, specialmente per quanti soffrono o sono nella prova, un segno sicuro di speranza che non delude e vi porti gioia e pace.
Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. La croix du Christ est comme un phare qui indique le port au navire qui affronte encore la tempête. Que cette fête de Pâques soit pour chacun de vous, particulièrement ceux qui souffrent ou traversent une épreuve, un signe sûr d'espérance et qu'elle vous apporte la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media offer you the heartfelt greetings for the coming celebration of Easter. With great respect and esteem, they wish to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, tomorrow we begin the Easter Triduum and our celebration of the saving mystery of Christ's passion, death, and resurrection. On Monday, Thursday, the Mass of the Lord's Supper. Nous entendons donc maintenant les résumés de cette catéchèse sur le Triduum pascal en différentes langues. J'en profite pour vous rappeler les horaires des différentes célébrations de la Semaine Sainte ici au Vatican. Donc demain, jeudi saint, la messe chrismale sera célébrée à 10h par le pape en la basilique Saint-Pierre. Et elle sera retransmise en direct sur notre site vaticannews.va et sur notre chaîne YouTube. À 18h, la messe de la scène du Seigneur, célébrée sans la présence du Saint-Père, en revanche, mais sous la présidence du cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège Cardinalis. Vendredi saint, la célébration de la Passion du Seigneur à 18h, présidée par le pape François depuis l'autel de la chaire, et à 21h, le chemin de croix sera célébré sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, comme l'année dernière, et non pas au Colisée, comme c'était auparavant la tradition, jusqu'en 2019. Cette année, les méditations du chemin de croix ont été confiées par le pape à un groupe de scouts de Lombrie, une région du centre de l'Italie, et à une paroisse de Rome. Elles sont à découvrir dès aujourd'hui sur notre site internet, vaticannews.va. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che questa settimana santa vi porti a celebrare la risurrezione del Signore Gesù con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Le Saint-Père qui vient de saluer les pèlerins, les auditeurs de langue anglaise. À tous, je souhaite que cette semaine sainte vous porte à célébrer la résurrection du Seigneur Jésus avec des cœurs purifiés et renouvelés par la grâce de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. Donc, concernant les célébrations de la Semaine Sainte, samedi 3 avril, samedi saint, le pape François célébrera à partir de 19h30 la veillée pascale depuis l'autel de la chaire en la basilique Saint-Pierre. Et dimanche, solennité de la résurrection du Seigneur, à 10h, le Saint-Père célébrera la messe, toujours depuis l'autel de la chaire dans la basilique Saint-Pierre. Et c'est là qu'il prononcera aussi son traditionnel message de Pâques avec une bénédiction Urbi et Orbi, depuis la basilique donc, et non pas depuis la loggia centrale comme c'était le cas avant la pandémie. Toutes ces célébrations seront donc diffusées et à suivre en direct avec commentaires en français, à la radio, à la télévision et en streaming sur le site internet de Vatican News et aussi sur notre page Facebook. Am Gründonnerstag gedenken wir der Einsetzung der Eucharistie, in der Christus uns seinen Leib und sein Blut als vollkommene Opfergabe schenkt, die uns von der Sklaverei der Sünde befreit.
Hier nimmt Christus auf unblutige Weise seine Hingabe am Kreuz vorweg und lädt uns zu einer Haltung des Dienstes ein, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Der Karfreitag ist sodann ein Tag der Buße, des Gebets und des Fastens, an dem wir auf das zu unserem Heil unschuldig geopferte Lamm blicken. Ihm empfehlen wir die vielen unschuldigen Leidtragenden von Kriegen, Diktaturen, Gewalt und Abtreibung an. Jesus ist in den Abgrund des Leidens gestiegen, um es in der Kraft seiner Liebe zu erlösen und zu verwandeln. Der Karsamstag erinnert uns besonders an Maria, die schmerzerfüllt, aber voll Glaube, Hoffnung und Liebe in Erwartung auf die Auferstehung verharrt. In der Begegnung mit dem Auferstandenen an Ostern werden schließlich all unsere Ungewissheiten und Ängste zerstreut, da er das Böse und den Tod für uns besiegt hat. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Prendiamo esempio da Maria, madre dolorosa, e non fuggiamo le croci della nostra vita, unendo tutte le nostre sofferenze al sacrificio di Cristo. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue allemande, les exhortant à prendre exemple sur Marie, mère Madre Dolorosa, et à ne pas fuir les croix de notre vie en unissant toutes nos souffrances au sacrifice du Christ. Car le Seigneur crucifié dans la force de son amour les transformera en signes de consolation et de gloire. Der gekreuzigte Herr wird sie in der Kraft seiner Liebe in Zeichen des Trostes und der Herrlichkeit verwandeln. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus felicitaciones con ocasión de las fiestas de Pascua de Resurrección y renuevan también sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, mañana entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del año litúrgico. En estos tres días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la Última Cena. En ella, Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó. Le Saint-Père lit à présent un résumé en espagnol de sa catéchèse pour tous les fidèles hispanophones qui l'ont écouté. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre,
Esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal, y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe. Je salue cordialement les fidèles de langue espagnole, que ces moments d'incertitude et d'affliction en raison de la pandémie, que la force du Christ ressuscité renforce notre foi, renouvelle notre espérance et augmente notre charité. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados a esta audiência, através dos meios de comunicação social, desejam a vossa santidade uma feliz e santa Páscoa. Acompanhando estes votos com sentimentos de gratidão e afeto filial, e com suas orações. Le résumé en langue portugaise. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver sur notre site vaticannews.va les méditations du Via Crucis qui aura lieu vendredi soir. Ces méditations ont été rendues publiques ce matin. Elles ont donc été confiées à des enfants cette année. L'année dernière, c'était à des prisonniers. Des enfants qui relisent des grands et petits drames de leur quotidien d'une manière émouvante, avec sincérité et profondeur aussi, à la lumière des étapes de la Passion du Christ. Ces enfants viennent de Lombrie, dans le centre de l'Italie, un groupe de scouts, un groupe d'une paroisse de Rome aussi, et les méditations sont illustrées, ces illustrations ont été réalisées par des enfants et des jeunes qui vivent dans des centres d'accueil de la capitale italienne. Cher Jésus, tu sais que nous aussi, les enfants, nous avons des croix qui ne sont ni plus légères ni plus lourdes que celles des grands, mais ce sont de véritables croix que nous sentons lourdes, même durant la nuit. Et toi seul le sais et les prends au sérieux, toi seul. C'est ce qu'écrivent ces petits en introduction de ce chemin de croix. Grâces à Ele. Abandonado na cruz, ninguém mais está sozinho na escuridão da morte. O sábado santo é dia de silêncio, vivido no pranto e na desolação dos primeiros discípulos, abalados pela morte ignominiosa de Jesus. Também Maria vive o pranto deste dia, mas o seu coração é pleno de fé, de esperança e de amor. Deste modo, na hora mais escura do mundo, ela torna-se mãe dos que creem, mãe da Igreja e sinal de esperança. Em meio às trevas da noite do Sábado Santo, irromperão a luz e a alegria com os ritos da Vigília Pascal e o canto festivo do Aleluia. Aquele que foi crucificado ressuscitou. Todas as perguntas e incertezas, as hesitações e temores são dissipados por esta revelação. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem sempre triunfa sobre o mal. A vida sempre vence a morte. Ao vivermos as celebrações pascais, ainda no contexto da pandemia, a cruz de Cristo é sinal da esperança que não decepciona. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, celebrando i misteri centrali della nostra fede, vi esorto ancora una volta a non permettere mai che vi rubino la speranza e la gioia portateci da Cristo con la sua vittoria sulla morte. Tutti auguro una santa e proficua celebrazione
Chers frères et sœurs de langue portugaise, en célébrant les mystères centraux de notre foi, je vous exhorte une fois encore à ne jamais permettre que l'on vous vole l'espérance et la joie apportées par le Christ avec sa victoire sur la mort. À tous, je souhaite une sainte et profitable et féconde célébration du Triduum de la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Seigneur. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يقدموا لكم أحر التهاني القلبية في مناسبة اقتراب عيد الفصح المجيد. إنهم يجددون لكم التعبير عن مشاعر إخلاصهم الصادق المفعم بامتنانهم البنوي، ويؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في الثلاثية الفصحية. قال قداسته: في الأيام الثلاثة هذه سنعيش الأيام الرئيسية للسنة الليتورجية، وسنحتفل بسر آلام الرب يسوع وموته وقيامته. في مساء يوم الخميس المقدس سنحيا من جديد ما حدث خلال العشاء الأخير، حيث المسيح ترك لتلاميذه شهادة حبه في الإفخارستية كحضور دائم له. إنه المساء الذي فيه يطلب منا أن نحب بعضنا بعضا بجعلنا خداما لبعضنا البعض، كما فعل هو عندما غسل أرجل التلاميذ. إن يوم الجمعة العظيمة هو يوم توبة وصوم وصلاة، وفيه سيقدم لنا الصليب الذي سنسجد له، وبسجودنا له سوف نعيش من جديد مسيرة الحمل البريء الذي ذبح من أجل خلاصنا. إن يوم السبت المقدس هو يوم الصمت الذي عاشه التلاميذ الأوائل في البكاء والضياع، إذ قد صدمهم موت يسوع المهين. هذا السبت هو أيضا يوم مريم، إنها أيضا تعيشه في البكاء، غير أن قلبها مليء بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة. في ظلام يوم السبت المقدس سينفجر الفرح والنور مع طقوس عشية عيد الفصح والترانيم الاحتفالية. سيكون اللقاء بالإيمان مع المسيح القائم، وسيستمر الفرح الفصحي طوال الخمسين يوما التالية. إن الذي صلب قد قام، يمنحنا القائم من بين الأموات اليقين بأن الخير ينتصر دائما على الشر، وأن الحياة تتغلب دائما على الموت. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Avvicinandosi la festa della Pasqua, portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri, degli scartati di questo mondo, ricordando anche gli agnelli immolati, vittime innocenti delle guerre, delle dittature, delle violenze quotidiane, degli aborti, affinché il Cristo con la sua risurrezione Le pape s'adresse désormais aux fidèles de langue arabe. En s'approchant de la fête de la Pâque, portons dans notre esprit et dans notre cœur les souffrances des malades, des pauvres, des rejetés de ce monde, en rappelant aussi ces agneaux immolés, victimes innocentes des guerres, des dictatures, des violences quotidiennes, des avortements, afin que le Christ, par sa résurrection, leur accorde la santé, le réconfort et la prospérité. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal.
العزاء والصحة والازدهار. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji bliskiej już uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przekazują wyrazy czci i synowskiego oddania oraz zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie rodziny, dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przed nami centralne dni roku liturgicznego. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i powierzenia nam przykazania miłości braterskiej. Wielki Piątek to dzień pokuty, postu i modlitwy. Adorując Krzyż Chrystusa, będziemy polecali Bogu wielu ukrzyżowanych współcześnie, ofiary wojen, dyktatur, przemocy, aborcji. Wielka Sobota to dzień milczenia i modlitewnego trwania z uczniami przerażonymi śmiercią Jezusa oraz z Matką Bożą, która do końca wytrwała pod krzyżem z nadzieją w obietnicę Boga, który wskrzesza umarłych. Liturgia tego dnia poprowadzi nas ostatecznie do radości Wigilii Paschalnej i uroczystego śpiewu Alleluja. Chrystus ukrzyżowany zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym, przeżywając celebracje paschalne w tym roku, niestety, również w okolicznościach pandemii. Niech Krzyż Chrystusa będzie także dla nas znakiem nadziei, która w Bożym planie zbawienia prowadzi i nas, i cały świat ku zmartwychwstaniu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Je salue cordialement les Polonais. Demain, nous entrons dans le Triduum Pascal, dans le mystère de passion, de mort et de résurrection du Christ. Son œuvre de salut est la révélation définitive de l'amour de Dieu qui pardonne, qui manifeste sa miséricorde et qui nous donne une vie nouvelle. Que la joie du matin de Pâques, malgré les efforts pour vaincre la pandémie, vous donne l'espérance, la confiance et la paix. Je vous souhaite une joyeuse rencontre avec le Seigneur ressuscité et je vous bénis de tout cœur. I zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie. Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, opromieni was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę wam radosnego spotkania ze zmartwychwstałym Panem i serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano porgerle cordiali auguri per la Santa Pasqua ormai vicina. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine, ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza,
reciteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Al termine, il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. J'adresse un salut cordial aux fidèles de langue italienne. En cette semaine sainte, ne manquez pas de vous unir plus profondément au Christ mort et ressuscité. Vous expérimenterez ainsi la bonté de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver du péché et nous rendre immaculés et resplendissant comme des astres dans le monde. Ma pensée va enfin, comme d'habitude, aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux. Je vous exhorte à être une icône de la bonté miséricordieuse de Dieu et des témoins d'espérance. À tous, j'adresse ma bénédiction. Et maintenant, la récitation du Notre Père qui sera suivie de la bénédiction du Saint-Père. Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum hovicum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, exordum per tusque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette audience générale du Mercredi Saint, où le pape a reparcouru donc avec nous toutes les étapes du Triduum Pascal qui commence demain. Comme je vous le rappelle, la prochaine célébration sera à suivre dès 10h. Il s'agit de la messe chrismale qui sera célébrée par le pape François depuis la basilique Saint-Pierre, à suivre donc en direct sur notre site vaticannews.va. À tous, je souhaite un très bon chemin vers Pâques avec vos pas dans ceux du Seigneur. À bientôt. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.